Allô tout le monde! Bon, aujourd'hui on est samedi, mais là c'est sûr que je vais perdre le fil des jours pendant les vacances. Fait que c'est sûr. Le dernier jour que je vous ai vlogué, c'est avant hier, quand on était à notre dernière soirée à Niagara. Fait que hier je vais pas vlogué parce que pour eux, c'est pas très intéressant. On est comme parti vers 10h40 de l'hôtel. On a été à pied acheter chacun un souvenir. On leur avait dit aux enfants qu'ils feraient bien ça, mais le dernier jour, ils pourraient avoir un souvenir. Après ça, ben on est parti. Et écoutez, là, on a mangé en fait un fameux funnel cake. Ça me fait trop penser aux États-Unis. J'aime vraiment ça. Fait qu'on a partagé ça. Puis là, écoutez, on est parti à comme 11h30, mettons, là, des chutes, là. Puis on est arrivé à Montréal parce qu'il fallait aller porter la mère Anthony. On est arrivé à 9h30 le soir. Puis là-dedans, on a fait un arrêt pour dîner. On a dîné vers 2h, je pense. Parce qu'on s'est dit, on va rouler le plus possible parce que Toronto, c'est l'enfer, Toronto, là, pour vrai. Il y a du trafic partout, puis genre, faut que tu traverses t'as pas le choix, là. Quand tu vas à Niagara, faut traverser Toronto, là. Bref, en tout cas, fait que on voulait pas, comme, passer trop tard, puis qu'il y ait encore plus de trafic. Écoutez, mes cheveux font dur, il y a de la pluie dehors, puis tout. Puis, comme de la poudre, en tout cas, de la poudre dans mon pré-workout. Je mets pas beaucoup d'eau. En tout cas, bref, il est midi 24, je m'en fais au gym. Puis, ce que je voulais dire, fait que c'est ça, on voulait rouler le plus possible, fait qu'on a dîné vers 2h, 2h30, on a arrêté comme 40 minutes max, et là, c'était le seul arrêt, là. Après, on a juste gazé à la fin de l'Ontario avant d'entrer au Québec, parce que c'est moins cher, c'est tout, là. On a juste arrêté 45 minutes en tout, genre. Fait que ça, le chemin c'est bien fait là, mais c'est long, c'est très long, mais c'est la vie là. Mais tu sais, genre, je sais qu'il y en a qui partent plutôt dans la nuit pour que les enfants dorment, mais là, non, genre, ça ne tente pas de rouler dans la nuit. Fait que tu sais, ça c'est bien fait là. Puis dans le fond, on est arrivé à Montréal, on a déposé sa mère, puis on a acheté du souper. Mais là, c'était comme, on était décalé là, vous comprenez. Fait qu'on a soupé dans le fond chez sa mère comme 20 minutes, puis après on est parti chez nous. Fait qu'on est arrivé proche de minuit à la maison, 11h30 là. Bref, mais tu sais, Camilla, comme ça, sur le retour de Montréal, elle s'est endormie, puis tu sais, je l'ai juste comme changé à la maison, je l'ai couché, puis c'est correct, là, elle s'est levée à genre 9h40 du matin, et les trois autres, se sont levés à 11h du matin. 11h. Tu vois, j'étais comme, ah, tu sais, ils ont pas dépensé full d'énergie hier, comme je sais pas comment ils vont être. Mais non, pour le matin, je pense. J'étais bien contente de me lever tard. Puis là, ben, c'est ça. Comme là, c'est les vacances d'été, moi, puis Anthony, ben, on s'est dit un horaire. Moi, je vais aller au gym les mercredis, samedi, dimanche. Et lui, il va aller au gym les lundis, mardi, jeudi, vendredi. Puis les autres jours, je vais marcher dehors. Donc, c'est ça. À peu près. Comme ça, dans le fond, pas sûr. Anthony veut. Moi, j'ai été assidue. Anthony, non, là. Anthony, il vient très peu au gym, mais là, c'est ça, il aimerait essayer d'être assidu. Fait qu'en se donnant des jours comme ça, puis, tu sais, il sait qu'il travaille pas, quand il se lève, ben, il s'en va au gym. T'sais, fait que c'est tout le temps le même genre d'horaire qu'on va aller, là. Fait que j'ai tout le temps. Ben là, il est tard aujourd'hui parce que tout est décalé. Mais mettons, quand il va travailler, ben, quand il va se lever, moi, je vais partir au gym. Puis l'inverse, quand il travaille pas, quand il se lève, il va aller au gym, puis c'est ça. Puis après notre journée, on file comme on veut, là, mais au moins, on va avoir comme. On va s'être entraîné, genre. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Tout est décalé, là. Fait que je vais au gym. Après ça, on va aller au Costco. J'ai vu le Costco est à côté, là. Le monde sont parqués dans la rue à côté, genre. En tout cas, c'est plein, mais tu sais, c'est parce que lundi, c'est fermé à cause du 1er juillet. Mais on n'a pas le choix, là. J'ai plus de lait. J'ai fini le lait dans les céréales. J'ai zéro collation. Zéro. J'ai aucun yogourt. J'ai plus de fromage. Je sais pas c'est quand qu'on a été la dernière fois, mais ça fait un bout, là. Fait qu'on va aller là.
Puis Anthony a invité sa sœur à venir souper ce soir. Fait que c'est ça, on va acheter des choses pour le souper. Puis demain, on était censé aller au parc Safari. Sauf qu'il annonce pluie et orage. Alors, on fera pas ça. Puis là, finalement, sa mère a déménagé demain. Fait que demain, il va aller aider sa mère à déménager avec ses frères. Fait que c'est ça notre plan du week-end. Puis moi, on va aller à Montréal. Dans le fond, je vais aller chez Cynthia, la sœur Anthony, pendant ce temps-là. Dans le fond, son mari aide aussi à déménager. Fait que c'est le plan pour demain, mais ça va être comme en après-midi et soirée, là. Fait que c'est ça. Je rentre au gym. Mon frère, je retardais, il est plus fou, là. Je rentre au gym. Alors, y a-tu de quoi de pire que de manquer de batterie dans ses écouteurs quand t'es au gym? Après mon entraînement, je marchais sur le tapis et j'ai manqué de batterie. C'est vraiment plate. Mais c'est pas grave, j'ai fini. J'ai marché comme je voulais. Puis je me suis entraînée. Là, ça me dépasse. Mon objectif de m'entraîner toujours est atteint. Fait que je suis contente. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais à la maison. J'ai presque plus de batterie. Fait que je vais vous laisser sur la charge pendant que je me lave. Puis qu'on va au Costco. Puis après, je vais pouvoir avoir de la batterie. Oh là, je suis tout mouillée. Il y a beaucoup plus d'or. Je vais me faire une toque à la place. Fait qu'on a été au Costco. Puis à la friterie. Et là, Anthony, il est en train de chauffer. Il a acheté. En fait, on a pris deux paquets. Je vais vous montrer le paquet. 34 ailes pour 11 pièces, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est ça, c'est des ailes de poulet. Mettons 4 enfants qui mangent 4 ailes. 4 ailes. On a assez pour un paquet. L'autre, je vais garder pour plus tard. OK. Parfait. Paquet, je vous montre. Je suis fatiguée un peu. Je vous montre qu'est-ce qu'on a acheté. Fait que j'avais aucune collation. Vraiment aucune. Puis là, les enfants étaient là. Okay. On prend tout le temps un petit peu plus d'affaires quand ils sont là. Et pâte d'ours, là, ils voulaient ça, là. Les Little Bites, parce que c'est pas une grosse boîte. Les petits muffins, là, ils ont choisi au pépite de chocolat. Le lait d'amande, il n'y a plus. Ils ont pris le non sucré à la vanille, genre. Mais ils l'avaient pas. Fait que c'est l'original. Faire des gruaux overnight. Jaden, j'y avais promis la prochaine fois qu'on achetait des céréales. Parce que quand on allait presque plus d'avoir, ça allait être ceux-là qui voulaient les cinnamon crunch. Fait que j'ai tenu ma promesse. Ça fait un bout en plus, genre 3 semaines. Des petits poissons. Ça fait vraiment longtemps que je peux acheter ça. Le pain, vraiment, là, la miche protéinée Bon Matin. 14 grammes de protéines. Très bon, pour 14 grammes pour 2 pains. Des bananes. Des bananes. Pas. Tu veux des mûres, hein? Tu veux manger des mûres? Il y a la table. Mangez le paquet des deux. Je vais te donner un paquet de mûres. Juste avec. Allez, ouais, bien ça. Bon. Ces bords-là. J'ai pris un parce qu'ils étaient en spécial. Les bords yogourt, ceux-là, c'est les préférés à Jaden. Des petites tomates qui sont vraiment bonnes, ceux-là, puis étant spécial. C'est ça, il n'y en a pas tout le temps, là. Ça, c'est les ailes de poulet. Désolée. Anthony, il joue une chicane en arrière. Déjà cuite, fait qu'il a pris ça, là, pour qu'on mange. On va continuer. Des œufs, on n'en avait plus. Les enfants, ben ça. Mais plus je regarde quand c'est là qu'on les mettait. Et j'avais presque plus de capsules. Il m'en reste genre 5 à la vaisselle. J'ai pris un. Il est en spécial. Des tranches de fromage. Oh, wow. Les enfants aiment bien ça. Muffin anglais, tranches de fromage. Ben, surtout Maverick. Le provolone, celui-là, il est en spécial. J'ai pris des bocconcini. Parce que pendant un bout, je faisais tomate, bocconcini, balsamique. Oh, j'aurais dû m'en racheter, j'ai pété le couvercle. Et là, ça me tentait, là. Attends, je vais juste filmer les choses avant, OK? Après, je vais te le montrer. Attendez. Ah, oh, merci, bébé, il n'y en a plus? Motive. Count. Il y avait des fraises du Québec. Fait que j'en ai pris. On a pris. Qu'est-ce qu'il y a, bébé, là? Oui, tu manges des mûres. Qu'est-ce qu'il y a? 3 fraises. J'essaie juste de finir de filmer ça. Fraises Québec, lait,
J'ai acheté la tartinade de noisettes pour les déjeuners, surtout de Amanda. C'est elle qui tripe là-dessus. Elle a fini tout le pot. J'ai pris ce salade, ça fait longtemps qu'il n'avait pas la mangue et chili style thaïlandais. Je pense que c'est ma préférée. On avait plus de yogourt. Les yogourts étant spécial, fait que j'ai pris deux fois tout ça de yogourt. Ça, c'était genre 6$. Et les cornichons tranchés, il est en rabais. Ça, je trouve ça pratique. Déjà tranché, puis c'est vraiment bon. des olives. Anthony en avait besoin pour mettre dans le repas ce soir. Et du pain d'arachide. On avait plus. Ça, c'est surtout Jayla. On a pris des Doritos. Je sais pas si c'est soir, la ben, nuit blanche. Nacho tout garni. En devoir, je sais pas si c'est piquant, pas piquant. Aucune idée. Puis là, dernière chose que. Du Costco. Le reste, c'est la friterie. J'ai acheté les boîtes Bingo Kids Chill. Amanda, elle avait besoin de deux plats. Là, je suis une fan des Yum Box, OK? Mais une Yum Box, c'est genre 50$. Puis ça, c'était 40 et quelque chose pour les deux. Ah, on peut mettre les ailes de poulet. Pour les deux. Puis dans le fond, moi, je n'ai acheté deux Yum Box parce que c'est pratique. D'en avoir deux puis d'alterner. Mais là, tu sais, c'est ça. Ça revient à deux pour un. Puis supposément que les Bingo sont vraiment très étanches. Wow! Deux paquets de mûres déjà terminés. Fait que je vais juste vous montrer, là. Fait que je vais les tester. Quoi? Quoi? Maman! Elle a mangé deux paquets de mûres. En l'espace du temps que je vais filmer. Hein. Fait que ça a l'air de tout ça. Fait que là, je sais comment. Parce que, tu sais, on peut pas mettre de sandwich complet, mais si, mettons, c'est une journée de sandwich. Je peux mettre une moitié là, puis une moitié là. Je peux mettre le dessert, puis un fruit ou autre. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a ça, qui est genre un ice pack. Fait que ça reste froid, genre. C'est vraiment le fun, je trouve. T'es pas obligé de le mettre face. Fait que supposément qu'ils sont super étanches. Fait que j'ai hâte de les tester. Comment c'est vraiment étanche. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère que ça va être bien, parce que là, dans le fond, c'était comme 2 pour 1, là, le prix. Vraiment, si j'aurais pris les Yum Box, puis moi avec les Yum Box, j'avais un qui est comme plusieurs compartiments comme ça. Puis l'autre qui était un gros compartiment plus deux autres petits, mais tu sais, ça revient au même, là. Ça, je peux mettre une moitié de sandwich, une moitié, là. Si c'est une journée sandwich, comme ça. Fait que. Il y en avait moins que l'autre fois. L'autre fois, je les avais vus, mais tu sais, j'y ai pensé. Puis c'est bon. On va tester ceux-là, là. C'est pour vrai. C'est ça. Côté prix, ça. Et moi, j'ai jamais racheté d'autres plats là, pour les gars, mais comme je dis, c'est les Yum Box. Fait que j'ai hâte de voir, mais je sais que c'est populaire, là, les Bingo. Il y avait des rouges puis des verts, puis c'est deux fois la même couleur. Fait que j'ai deux fois des mauves, puis Amanda, elle mange plus que ses frères, là. Ouais, fait que je vais vraiment comme remplir ça. Là, côté épicerie, fruiterie, il y avait pris 4 paquets de mûres, parce que c'est pas spécial. Fait que là, il y en a déjà juste 2. Je vais les tasser de là. Sinon, elle va vouloir les manger tout de suite. Les petits poivrons doux, moi, les enfants, ils adorent ça. C'était 3 pour 5. Ça fait 3 paquets de poivrons doux. Et 4, il y en a 4. Ouais, les enfants, ils adorent là-dessus. Les mangues, il y en a 3. C'était 3 pour 4. Et du coup, c'était pas très bon. Il y en a plus. Je vais tout sortir, ça va aller mieux. J'ai acheté 4 concombres, de la laitue, 3 laitues. Des avocats, de la coriandre, des oignons verts, et la canne d'haricots rouges pour ce soir, pour le souper, et une canne de pâte de tomate pour souper. Maman, tu vas donner 8! Ben, donne-y les 4, là, elle. Ils viennent de finir. Mon Dieu, c'est sombre. Les 4 paquets. 4. Je voulais vous montrer mon petit souvenir que j'avais acheté de Niagara. Fait que c'est une tasse du Starbucks. C'est la collection Discovery Series. Fait que c'est pas la bleue là, comme j'avais l'année passée. C'est comme un nouveau modèle. Là. Regardez. Je l'ai full utilisé, celle de l'année passée. J'utilise encore. Là. Mais c'était cher. Mais c'est ça. J'ai fait le saut à la caisse. Mais c'est à cause de genre, cette série-là. Je sais. Oui, bébé. Il n'y en a plus de mur, mon amour, là. 4 paquets plus tard, là. Mais c'est ça, je la trouvais belle. Puis elle est différente. C'est ça, mon autre est comme blanc et bleu, là. Vous savez, comme ils ont. Il y avait, mettons, Ontario avec
comme le style de l'autre, là. Mais ça, j'aime bien les couleurs. C'est différent. Les verres dedans. Je vais me faire un café tantôt avec ça. C'est ça que je voulais vous dire. Eric, t'as bien fait. Ça va être bon. Ils ont des soucis sur le barbecue, tout le monde ici, mais moi, j'en prends pas. Parce que je veux pas que ça me fasse de crise. T'as déjà la moitié de ta canne, fait qu'en deux fois, t'as une chose gratuite. Dans une été, c'est quand tu viens plus que trois fois.